Aujourd'hui, je vais te proposer 5 investissements dont tu peux profiter à partir de 1 euro. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Business pour tous. Je suis Maxime, tu peux directement t'abonner dans la chaîne si ce n'est pas encore fait. Me lâcher un énorme like aussi pour me soutenir, ça fait plaisir pour le travail fait. Je te propose 5 investissements. Bien sûr, le plus connu pour les entrepreneurs, ça va être les crypto-monnaies. On a vu l'année dernière, ça a fait un boom énorme. Il y a eu plus de 600% de rentabilité l'année passée, et même plus d'ailleurs pour ceux qui sont rentrés bien avant. Ça a été juste énorme. Donc, du coup, si tu as commencé à poser des billes dedans, tu as bien vu que ça a commencé à exploser. On va dire que ça va être de plus en plus incroyable, parce que du coup, de plus en plus de personnes s'y attellent et s'y intéressent. Donc, si tu n'es pas encore dedans, je t'invite fortement à le faire, sachant que si tu regardes cette vidéo début d'année 2022, on va dire qu'il y a eu une forte baisse. Personnellement, je fais partie des personnes qui pensent que ça va repartir. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est terminé, que ça va, voilà, on ne sait pas trop. Moi, je t'invite à prendre tes billes. Bien sûr, engage que ce dont tu es prêt à perdre. Ça marche pour tous les investissements, mais voilà, au moins et quelques cryptos sur toi, et puis après l'avenir nous dira si ça explose, si ça se dirige vers autre chose, si ça se régule. On ne sait pas, personne ne sait vraiment comment ça va se tourner. Deuxième investissement qui est très intéressant, c'est le crowdfunding. On va pouvoir se tourner vers des sociétés, ça va être de l'investissement participatif, donc vers des sociétés. On va pouvoir faire de l'immobilier, on va pouvoir faire toutes sortes comme ça d'investissements à plusieurs, et donc du coup, tu vas pouvoir mettre 1, 10, 100, 1000, 10 000 euros. Et en fait, à plusieurs, on va pouvoir faire du coup un investissement et quelque chose de rentable. Des plateformes de crowdfunding existent. Je t'en mettrai quelques-unes en description, ou alors je te les marquerai. Et on peut avoir des rentabilités entre 8, 12, 13, 15% des fois, jusqu'à 6 mois. Ça peut être très intéressant à faire. Donc ça peut être super sympa ça, à s'inscrire sur ces plateformes-là et placer quelques sous là-dedans. Troisième investissement, peut-être un peu moins accessible pour tout le monde, ça va être bien sûr l'immobilier. Immobilier, si j'entends bien sûr un appartement, bon appartement, maison, après il y a tout ce qui va en découler avec de la location en fonction de ce qu'on veut faire avec du nu, du meublé, voilà, enfin après ça c'est plus spécifique. Je t'inviterai à voir des chaînes qui en parleront mieux que moi. D'ailleurs, on peut avoir des parkings qui vont être plus accessibles pour le début. On peut avoir des locaux commerciaux qui vont héberger du coup une activité, je sais pas, ça peut être de la restauration, ça peut être de la coiffure, ça peut être n'importe quoi. Pourquoi pas une crèche, un garagiste, n'importe quoi. Il faut bien que tous les corps de métier aient un local où exercer. Et du coup, tout cela va pouvoir du coup acheter, mettre quelqu'un dedans et du coup bah, toucher le loyer de cette personne. Et là, on peut espérer du coup une rentabilité entre 4 et ça peut aller jusqu'à 10-12% des fois en fonction des opérations, du coup du secteur, de ce qu'on fait et du coup bah, du lieu où est ce local. Ça peut aussi être très intéressant pour ces opérations-là. Quatrième du coup, investissement, ça va être des robots de trading. Beaucoup de personnes se penchent dessus. Il y en a beaucoup qui ont déjà des robots qui tournent. Je sais qu'il y a des robots qui sont très performants. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à des 10%, voire des fois plus. Robot de trading, si tu ne connais pas, donc ça va être un algorithme pardon, qui va tourner et qui va analyser les marchés financiers, faire des centaines, voire des fois des milliers de micro-opérations où on va pouvoir gagner quelques centimes, mais du coup multiplié par la multitude d'opérations qu'il va faire sur la journée ou dans la semaine ou sur le mois, et bien, du coup ça va permettre de dégager un gain. Je t'en mets un dans la description si tu ne connais pas. Il marche très très bien. Il y en a bien sûr, le dernier qui est beaucoup plus classique, ça va être forcément l'assurance vie. L'assurance vie qu'on peut avoir soit en banque avec des taux de 1 à 1,5%, ou alors il y a des assurances vie qui du coup sont privées avec des contrats du coup différents qui sont arrangés avec du coup les sociétés. Et là, on peut monter à 2, 50, voire 3%. Et donc du coup, ils sont plus intéressants.
mais alors forcément plus sécurisé que la crypto ou que des robots de trading par exemple, mais forcément ils vont rapporter moins. Donc voilà ces 5 plans d'investissement. Si tu en fais déjà, n'hésite pas à me les dire en commentaire, n'hésite pas à les partager. Et sinon, bah, n'hésite pas à t'en inspirer pour du coup diversifier tes revenus et bien sûr commencer tout ça. N'hésite pas à mettre un énorme like dessous, à partager la vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!